Slime, le grand moment est arrivé. Ça fait un bail que j'attends ça. Tous les voleurs rêvent de pirater un navire comme ça. Je sais pas d'où ça vient, peut-être une sorte de réminiscence collective. Oh, quel truc de barge! Comme tu vas être le premier à bord, essaye de mettre ton enthousiasme en sourdine. Car si le veilleur de nuit te repère, il appellera les gardes à la rescousse et on ne pourra plus rien faire. Mais alors, tu sais plus à qui tu causes? Je suis quatrième dan à ce petit jeu-là. Murray te rejoindra à la chaloupe. Mais attention, silence total! Ok. Le port a été miné depuis notre dernière visite. Ils ont vraiment dû flipper. Débarrasse-toi d'eux, mais en silence. Ok, la voie est libre. Montez vite! Ça marche! L'Hippopo est un vrai matelot! Ok, toute l'équipe est sous le pont. Que le show commence! Quand on aura levé les voiles et l'ancre, il ne faudra pas longtemps pour que quelqu'un sonne l'alerte. Pas de problème! On s'est occupé de la patrouille! La voie est libre! Je n'ai pas oublié! Mais le Fort Mort dispose lui aussi de canons! Je ne pense pas que les canonniers puissent arriver sur place avant qu'on soit hors de portée. Mais on ne sait jamais. Alors mettons les voiles vers l'océan. Si vous êtes prêts, je ne vois pas ce qui nous retient. Nos petits bavardages nous font perdre un temps précieux. C'est vrai. Murray, lève donc l'ancre. Bentley, va sous le pont et lâche un peu de lest. Moi, je hisse les voiles et lance le navire. Ok, Sly, prends les commandes. C'est facile. Maintiens la touche L2 enfoncée pour virer à gauche et la touche R2 pour virer à droite. On est presque hors de portée. Excellent! On est dans l'aquazone! Sly, serre-toi des touches L2 et R2 pour manœuvrer. Le vent qui souffle sur cet archipel vient généralement du sud. Tâche de trouver et de garder le bon angle si tu veux aller vite. J'ai placé l'île du Poignard sur la carte marine. Clique sur le joystick analogique droit pour l'afficher et avoir tes armoiries. Par l'avant ou par l'arrière, ça sera beaucoup plus efficace, car les boulets les traverseront sur toute leur longueur.
Cache-toi par le côté et saute à bord du navire. Il doit y avoir un trésor. Sinon, envoie-leur une dernière salve pour les faire couler pour de bon. Si tu bats le capitaine ennemi, les autres pirates abdiqueront. Nous approchons de l'île du Poignard, mouille près du rivage. Choisis-la comme bonus et lis les indices pour trouver le trésor. Le premier indice est... De la statue affronte le regard. Alors la carte te mènera quelque part. Pour voir l'indice. Bien! Si tu veux laisser la carte un certain temps, pas de problème!
Tu viens d'inscrire une croix par terre. Tu retrouveras donc facilement ton chemin pour reprendre tes recherches. En mode garde, sers-toi du joystick analogique droit pour scruter les environs. Ça t'aidera à trouver les cercles de palmiers mentionnés dans l'indice. Cherche l'île aux trois palmiers autour de toi avec le joystick analogique droit. Ensuite, remets-toi en mode carte. Ton marqueur pointera alors dans la même direction. Le trésor du grand-papa! Change pas de main, mec! Je vais t'aider à creuser! On vient tous, Sly! C'est trop cool! Bien, Dimitri, je te le laisse. À toi l'honneur d'ouvrir ce trésor. Ça, c'est vraiment de la balle! Ah ouais! Sûr, vous êtes trop cool, les mecs! Nom d'un vent de Gog! Ce matos de plongée va grave améliorer mon swimming style! Quelle complexité! Ton grand-père était un artiste. C'est un véritable travail d'orfèvre. Il assurait grave, matez ça. Il a été fait pour moi. Avec ça, quand tu coules, c'est trop cool. Y a autre chose dans le coffre? Ouais, je me posais la question. Bande de crétins! Vous pensiez pouvoir flouer le marin le plus malin du monde sans aucune représaille? J'étais peut-être en retard pour l'ouverture du coffre. Mais j'arrive pile poil à temps pour voler le butin! Lâche, Pénélope. On peut s'arranger. Pénélope, ainsi tu t'appelles. Délecte-toi, ma belle, car cette rencontre ne peut être accidentelle. Réglons-lui son compte! Non! Trop risqué! C'est un assassin! Oui, ce mot me sied à merveille. Assassin. Déguerpissez sur votre bateau, ou vous aurez sa mort sur la conscience. À vous de voir. Bon, nous n'avons pas le choix. On retourne au bateau. Vous n'allez pas m'abandonner? Pitié! J'ai si peur. Pénélope, fais ce qu'il te dit. On te sauvera. Je te crois. Moi, ce que je crois, c'est que vous devriez déjà être loin. Allez-vous-en! Vite! Notre priorité absolue, c'est de sauver notre partenaire et ami Pénélope. Elle est retenue prisonnière à bord du Tête de Mort, le vaisseau de la fouine qui a mouillé dans la baie du Bain de Sang. C'est pas bon signe. Nous ne pourrons jamais passer par l'entrée du port et l'arrière de l'île est rendue inaccessible par des récifs. Pour dire les choses clairement, on va devoir se battre. La fouine est un adversaire intelligent et il faudra donc tout mettre en œuvre pour faire pencher la balance de notre côté. D'abord, grâce à l'équipement de plongée de Dimitri, on va récupérer des armes dans une épave. On pourra ainsi attaquer plus efficacement le blindage renforcé du Tête de Mort. Mais ça nous servira aussi pour notre deuxième objectif, détruire les loups de mer à voile rouge, une flotte de mercenaires à la solde de la fouine. Nous devrons les surprendre quand ils nous chercheront par petits groupes. Car s'ils nous attaquaient tous ensemble, on n'en sortirait jamais vivants. Enfin, nous irons dans les eaux troubles habitées par un monstre marin que les pirates appellent Calmeur. On en sait très peu sur cette bête, mais il serait utile d'analyser sa technique. Car les hommes de la fouine en ont tous une peur bleue. Un élément non négligeable étant donné notre situation.